Allez, salut à tous, c'est Crobac, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans Mafia 3. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un réseau de prostitution, à première vue en tout cas. Donc, veuillez m'excuser pour les si je vais heurter certaines sensibilités avec cette vidéo, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Donc, on verra bien, on doit aller voir Cassandra, donc du coup, et voir ce que l'on va pouvoir en faire. Où est ma voiture? Ma voiture est là. C'était pas ma voiture à première vue. Donc, ben voilà, on vient de voler notre première voiture dans Mafia, c'est très bien. Et on va aller voir ce qu'on va devoir faire justement dans cette mission. Et ce soir, on va parler de notre Sammy Robinson, qui n'est pas seulement un leader, mais aussi une source d'inspiration dans notre communauté. Là, on m'a demandé de faire demi-tour, mais. Ah, ouais, d'accord, celle-là en fait. Avec son fils Elise Oh. et celui qu'il a adopté. On parle de nous à la radio en plus. Il a tout fait pour aider notre communauté grâce à son association de bienveillance. Allez, on va se mettre là. On va se mettre là. Et on va débuter notre mission. Qui j'espère un peu plus énergique que la précédente. C'est parti. Lincoln, ça me fait plaisir de te voir. Bah, bonjour. Lavo. Ça faisait longtemps. Je m'attendais pas à devoir bosser avec les Haïtiens. C'est ça, ou s'incliner devant ces sales trous du cul de sudistes. Et tu sais bien que c'est pas mon genre de faire la révérence. Ça, c'est bien vrai, putain. Cassandra a appelé pour dire que t'allais t'occuper du père là. C'est ce connard de merde Jackson qui est aux commandes. Il a transformé l'établissement en bordel, et il laisse les bons faire ce qu'ils veulent à nos sœurs. Comment je le retrouve? Non, fais pas ça. Pas encore. La plupart de ces enflures de Dixie veulent se la jouer discret. Ils ont peur qu'on leur colle une balle dans le cul. Si je le mets dans la merde, il devra bien se montrer pour traiter avec moi. Je crois que je sais comment tu peux attirer son attention. Ils gardent des filles au deuxième. Elles peuvent pas sortir. C'est pur sang, ils les appellent. Ils les dopent avec tout un tas de merde. Elles lui rapportent un max. Rentre en douce et sors-les de là. Je te tiens au courant dès que c'est fait. Ça m'a fait de la peine d'apprendre pour Sammy et Elise. Ils ont toujours été réglo avec moi. D'accord, donc on va libérer les filles séquestrées. La question que je me pose, c'est est-ce qu'éventuellement ce serait une quête secondaire en fait? Donc je sais pas. Alors, saboter des trafics. Chaque trafic a son point faible. Si un trafic n'arrive plus à générer de profit, le boss du trafic devra se montrer au grand jour pour prendre les mesures nécessaires. Atteignez Merle en sabotant son réseau de prostitution à Del Rey. Première étape est de libérer les filles retenues en otage chez Doucet. Ah, le fameux Doucet, hein, donc on avait dit on peut nager hein, dans. Il nous fait quoi là? Hop là! Donc on va nager. Toute façon, c'est pas très loin, à 340 mètres, hein, on a dit. Oula! Ah, ça sent le bug ça! Ok, je sais pas, là il voulait pas monter. Je pense qu'il considérait que j'étais sur le ponton et pas à côté en fait. Bon, bah, on va monter par là, écoutez. Pas se fatiguer plus que ça. Hop, allons-y! Je peux courir, hein, on le rappelle. Et qu'au passage, peut-être qu'on pourra choper un ou deux petits collectables, hein, même si c'est vraiment pas mon dada dans les jeux vidéo. Hein. À part si le jeu est une recherche de collectables. Ah, d'ailleurs, ici, je peux crocheter quelque chose. Ah. Je me demande bien ce qu'il peut y avoir derrière, du coup. Oh, c'est raté. Allez, on crochete. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais pour qui vous vous prenez? Zone réservée aux employés. Les clients ne sont pas ennemis dans. Que je me répète et j'appelle la police. Ah ah. Ok, bon, bah je vais partir, hein, du coup. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ah, puis en plus, je suis dans une ruelle où je peux rien y faire. Salut, mon gars. Est-ce que je peux escalader ce genre de choses? Oui, c'est bien. Alors du coup j'aurais dû y aller en voiture. Hein. Très clairement, j'aurais dû y aller en bagnole. Ah, puis là on peut pas. Ah, du coup je suis coincé. Bon, bah, on va prendre la voiture. Dans ce cas, j'ai compris. Perdre du temps pour rien. Ah monsieur, regardez, là je dois pouvoir sauter. Ou ouvrir. Ah, c'est la messe, je peux pas. Ouais, non mais c'est pas possible, là, sérieusement. C'est un couloir ici.
Cours, Lincoln, cours. Voilà, tout ça pour ça. C'est pas grave. Ça nous permet un peu de faire faire un peu d'exploration dans ce jeu. On n'en a pas encore fait jusqu'à maintenant. Hop, désolé, je traverse. Hop. Ah, d'ailleurs, J'ai là. presque réussi à me renverser. La santé. Doit être derrière aux toilettes. Certaines personnes ont parfois besoin qu'on leur rentre dans le lard et qu'on Voilà. les parle pour leur rappeler que la vie Un mérite peu de d'être faite médoc. pour elles et que notre cause mérite qu'on D'ailleurs, leur c'est assez bien retranscrit le bas. Ah, j'aime beaucoup ce mur. Ah ouais, le petit mur en pierre comme ça, c'est très sympa. Enfin bref, c'est pas ce qu'on devait faire et du coup, bah, je me perds un peu. Donc le réseau de prostitution, il est là. Et puis du coup, bah, je vais prendre une voiture parce que là, j'en ai un peu marre de me promener à pattes. Du coup, hop, deuxième voiture volée de la journée. En plus, un vieux taco, c'est très bien. Tout ce qu'on aime. Allez, ça passe. Oui, ça passe. Oula. Et on y est. Ah, et je peux acheter des armes aussi au passage. Donc oui, ces petits camions, là, vous l'avez pas vu, je les fais en off, mais ces petits camions nous servent à s'approvisionner, pardon, en armes à feu. On peut aussi améliorer notre ami Lincoln, les provisions en santé, des explosifs, etc. Et je vais voir si tout à coup je peux pas avoir une petite arme automatique. J'ai combien d'argent en fait? Ah, j'ai que 58$ en fait. Ah ouais, je vais pas aller loin. Ah, mais c'est gratuit! Mais oui, alors allons-y! Équipons-nous! C'est parfait ça! Et du coup, on va démanteler le réseau. Bonjour mesdames. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, elle? Monsieur Lavaux m'avait prévenu que vous viendriez. Les filles sont à l'étage, mais attention, les hommes de merde sont partout. Merci pour le tuyau. Ok, et puis là, du coup, on va se choper un petit collectable. Au passage, je vais aller un peu fouiller ce qu'on a par là. Oh, bah il y a des armes aussi. Non, mais c'est beau ça. Que demande le peuple? Range ton arme. Pour l'instant, ça ne canarde pas. Fais-toi pas remarquer. Donc là, il y a d'autres filles à qui parler aussi, je suppose. Est-ce que. Non, là, je peux pas aller. Ah, monsieur dégueule, c'est très bien. Vas-y, vomis mon pote, ça te fera du bien. Donc à l'étage, ça doit être par là. Zone hostile. Oh là là, mais monsieur, vous voyez ne pas parler comme ça, voyons. Bon, du coup, on va s'équiper d'une arme. Parce que là, moi, je vous dis, ça va canarder. On va se faire plaisir. Donc là, il n'y a rien à l'étage. On ne peut pas monter par l'escalier. Ici, rien. Par contre, ça, c'est un homme de merde, là. Va mourir. Ok, alors maintenant, est-ce que je peux monter par là? Oh, il y a du cash autour de moi aussi. On peut prendre ça. Oh oui, c'est beau, ça a un peu d'argent. Donc ça, c'est les hommes de merde, là, on est d'accord? Ouais, c'est bien ça. Donc merde, moi, ça me fait penser tout de suite à Walking Dead. Attention, tu m'as pas vu. Parce que tu es une intelligence artificielle et tu es débile. Viens par là, que je t'en mette une. Oh ouais, il rigole pas notre ami. Notre ami Lincoln là, il rigole pas. Il plante direct. C'est très bien, écoutez. Est-ce que je peux encore piquer un peu de cash là en chemin? Bien sûr qu'on peut. Parce qu'on veut. C'est de la thune, mon gars. Salut les filles. Donc c'est à l'étage. Ouais. Le réseau de prostitution. Oh, attention, là il y en a un. Je crois qu'il est au-dessus. Hein. Ou derrière la porte, peut-être. T'es déjà fait tripoter par un Au-dessus. millionnaire, chérie. J'oubliais que toi aussi t'as grandi dans le coin. Ça fait 4 générations que ma famille habite là. Et je plaisante pas. Le resto où Mickey est allé, c'est le top. Leur combo vaut celui de ma mère. Je parie que c'était une putain de cuisinière. Hein. Ah, mais arrêtez de parler de cul 2 secondes. Son jambalaya,
ces haricots rouges au riz. La mienne, elle a jamais été foutue de cuisiner. C'est sûrement pour ça que tu n'as que la peau sur les os. Séparez-vous, les gars. Yes, viens par là, mon gars. Parfait, et puis le deuxième. Oh, il avait pas l'air méchant, mais on va quand même le descendre parce que c'est comme ça que ça marche ici. Oh, et puis en plus, il pisse très bien. Ah. Je crois que le monsieur il est mal là. Excellent le bug. Ok, j'ai récupéré un fusil à pompe, mais moi je veux pas ça, je veux garder ça. Est-ce qu'il y a encore du cash à récupérer? J'ai cru voir que oui. Hein. Donc ici. Ah, c'est cool de se faire un peu d'argent. Donc. Donc ça c'est un gros enfoiré aussi. Je vais juste reprendre mon petit minigun. Vous m'avez pas vu. Pardon, c'est moi. Ah, c'est clair que de faire ça devant tout le monde, c'était peut-être pas le bon plan. Et c'est par là qu'il faut aller, du coup. Je crois qu'elles sont là, hein. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Peut-être se relever, ça sert plus à rien de se mettre à couvert maintenant. Ah, quoique, il y a peut-être quelqu'un là. Alors, on va libérer les madames. Oh, hop, et de une. Mon Dieu, ils allaient... En sortant d'ici, va trouver Cassandra au cœur transpercé, elle t'aidera. Alors, lire la note. Je vais pas me laisser bouffer par cet endroit, chaque chose en son temps, mais je reverrai ma famille, ça ne fait aucun doute, pardon. Ok, très bien. C'est bon, casse-toi, je t'ai libéré. La suivante. Parce que c'est plus drôle d'avoir un flingue. Je crois qu'elle est pas toute seule. Facilement. Toute femme dans le besoin peut se rendre à la boutique le cœur transpercé. Merci. Beaucoup. Encore une. Il y en a un qui pisse. Ah non, je récupère juste du cash. Donc éventuellement c'est là-dedans. En tout cas, c'est une quête annexe, elle est assez marrante, pas forcément très difficile, hein. Il suffit d'avancer et de dégommer ce qu'on peut. Hein. Je le vois. On va mourir. Ok, c'est bon. Là, on est bien. Juste lire la note ici aussi. Dites à Charlie que la semaine a été excellente. Ronnie a vendu pour 5 000 $ de cam et Jean a ramené pas loin de 7 000. Avec ça, Richie devrait nous foutre la paix. D'accord. Est-ce que c'était Richie, le fameux mec par terre ici? Oh, il y a de la cam aussi ici. Ok, mais c'est pas ce qu'on veut, nous on veut le cash. Parce que le cash c'est cool. Et puis ici. Est-ce qu'éventuellement il y a quelqu'un qui pisse? J'étais pas sûr à 100%, mais il me semble qu'il a fait long pour pisser le monsieur. Ma foi, chacun son truc, hein. Quand on a une vessie bien remplie, c'est difficile. Ok, puis là j'ai l'impression que je fais une connerie. Est-ce que je peux sortir par la fenêtre éventuellement? Non. Il faut vraiment que je parte à pied. C'est nul. Moi, il y a encore un peu d'argent ici. Essayer d'en récupérer un maximum parce que l'argent c'est cool. Ici, on n'a rien de spécial. Par contre, là, il y a quelqu'un. Il faut que je fasse gaffe. Faut vraiment que tu la joues moins bourrin. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ce fils de pute fait comme si c'était moi qui l'avais rendu accro à l'héros. C'est pas une raison pour lui foutre une branlée. Écoute. Le vieux négro qui dirigeait Delray faisait qu'un truc de bien. Il tenait tout le monde par la bride sans faire trop de vagues. Richie aurait intérêt à s'en inspirer. Oh, voilà, ça rigole pas. On les sépare, on les tue, ils sont débiles de toute façon. Et là, un max de pognon. Que je peux pas récupérer? Ah si, voilà! Ça qu'on veut. Bon, maintenant on peut se casser gentiment et terminer la mission. Qui, à mon avis, comme je vous le disais, ça devait être une mission secondaire. Hein, qui était fort sympathique.
Et je peux pas passer par là, super. Donc on va faire le tour. Parce qu'éventuellement je peux me dépêcher, parce que là c'est bien gentil, mais ah, il y a des munitions là. Ok, ok, ok. On peut descendre les escaliers. Ah, puis là aussi c'est bloqué. Oh, mais c'est pas vrai. C'est un peu pénible tout ça. C'est vraiment le bordel chez vous, les gars. Ok, bon, moi j'étais venu depuis où? Depuis cet escalier là. Ah, j'avais marché là. Peut-être que je peux descendre ici en fait. Yes, là c'est bon. C'est good. Oh, attention, zone hostile. Est-ce qu'il est méchant? Non, il s'en fout. Ouais. Peut-être plutôt passer par là. Ah bah par là en fait. Bah voilà. Ah oui, j'ai une arme, effectivement, pardon. ici, il y a un truc bleu qui s'affiche, c'est quoi? Une voiture que je peux prendre gratos? Non. Non, non, il a honte de rien, ça c'est clair. Alors, parler à Donovan. Dommage restant, 4350. Ah, mais en fait, j'aurais dû tout récupérer. Ah, d'accord, c'est comme ça que ça marchait, en fait. Bon, c'est pas bien grave, hein. Ça, on a pu un peu tester les missions secondaires, c'est très bien comme ça. Du coup, on va voir Donovan. Hop. Donc c'est là-haut. QG de la CIA. Salut Dodo. La pêche. J'ai un petit quelque chose pour toi. Comme tu passes tes journées à cavaler, je me suis dit que ça te faciliterait la vie. Tu peux te servir de ça pour appeler des renforts. Moi qui te prenais pour un pauvre égoïste. On en reparlera. Au fait, Miss Lancaster est déjà au parfum et prête à y aller. Ah, c'est marrant, on dirait un peu un jeu Ubisoft quand on a toutes ces petites quêtes secondaires, un peu FedEx, comme on appelle ça, ces fameuses quêtes FedEx. Et bah du coup, j'ai rien d'autre à faire là. Parler à la voix de Del Rey. Ah, si. Ah, monsieur Lavaux. Appeler des associés, donc ok, on peut appeler des associés. 6 à canard de trosse, très bien. Maintenir L1. Utilise votre radio pour appeler le trafiquant d'armes. Avec R. Ah là. Pardon. J'ai besoin de matos. Il paraît que vous êtes l'homme de la situation. Cassandra a dit que tu risquais d'appeler. J'aime bien apporter mon aide, mais je fais pas la charité non plus. Ah d'accord, puis du coup il se pointe. Ah mais c'est cool ça. C'est plutôt chouette, écoutez, bon, ben là on va aller à la suite. Et ça a pas canardé, malheureusement. Hein. Trop calme, ces vidéos de mafia. Oula, bah bah voilà. On fout un peu le bordel. Et du coup, la voix, la voix, la voix. Voilà, j'ai rempli ta mission, t'es content. Ça me fait plaisir. J'ai libéré ces femmes. Putain, j'ai rarement vu un endroit aussi glauque. Ah, oh, j'ai vu pire. Ça fait mal au cul de voir ce que ces crevures de pecno sont en train de faire. Dès que je mets la main sur Jackson, j'en finis avec tout ça. Merle a envoyé des Macs dans tout Del Rey. Il veut rattraper la thune qu'il a perdue. Liquide-les, et il pointera son nez au club. D'accord. Quand on aura fini avec eux, reviens. Je saurai si Merle s'est ramené au club. D'accord, alors traquer et éliminer les patrouilles des Dixie, bah écoutez, on va encore faire ça. Comme ça, on aura un peu de quoi un peu de quoi canarder, surtout. Et ici, du coup, bah, j'ai donc ma mission. Ici, il m'a parlé à la voix, on est d'accord. Et puis ici, il bah, faut traquer. Il n'y a pas d'autres missions, éventuellement, de scénario, peut-être. Barre de Samy, placez votre argent, d'accord. Donc ça, c'est le coffre. Ah, peut-être là, en fait, ça. Ça, le fait d'aller lui parler, installer son son... Ouais, non, pas forcément. Je crois que le jeu me demande vraiment d'aller faire ces petites quêtes annexes. C'est un peu dommage, mais bon, ma foi, on fera avec. Je vais prendre cette voiture, je la trouve assez cool. C'est parti. Démarrage avec les fils, comme à la bonne vieille époque, quand l'électronique n'était pas encore d'appoint. Oh, les Rolling Stones.
histoire de se faire striker gentiment mais sûrement la vidéo, c'est très bien. On n'est pas à ça près, on s'en fiche un peu. Désolé, je passe, voilà. Et donc du coup, on doit traquer, éliminer les hommes ici. Bon bah, je vais rentrer dans une zone hostile à première vue. Territoire ennemi, je suis en plein dedans, mais personne ne me dit rien, c'est très bien. Mais là, j'ai vraiment l'impression de jouer à Assassin's Creed, hein. C'est... c'est un peu dommage, en plus l'IA est autant débile a priori. Hein. N'en siffle pas tout de suite, prends une arme. Parce que les armes, c'est cool. Bon, cassez-vous, vous deux, hein. Vous êtes bien gentils, mais... Bon, il est où? Il est là-bas. Ok. Je peux passer par en haut? Ouais, c'est parfait. Et de 1. Ah, attention, il y en a un autre qui est pas très loin. Je vais rester planqué au cas où. C'est pas facile de savoir qui est votre cible et qui est. Enfin, qui est hostile et qui ne l'est pas dans ce jeu. Donc lui, il est hostile, ça c'est clair et net. Est-ce que je peux grimper là-haut? Non. Parce que lui, à mon avis, il va me mater pendant une heure dans cette direction. Je vais voir si je peux pas éventuellement faire le tour. Mais là, je peux pas grimper, hein, on est d'accord. Non, mais je suis même pas sûr qu'il me voit ici, je passe par là. Oh la vache. Oh la vache. Neutralisation brutale. Si vous maintenez puis relâchez au signal. Guetteur alerté, mince. Bon, j'ai fait suffisamment de bruit. Où est ma cible? Ma cible s'est barrée, hein. Elle est là. Ah ah. Je dois le tuer, ça tombe bien. Allez. Casser les roubignoles. Et voilà. Magnifique, une petite quête annexe rendement bien menée. Aidez-moi à l'approcher, les gars. Ah. Chasser et botter le cul des noirs, on a ça dans le sang. Ah, par contre, il y en a un qui est derrière moi. Va mourir. Plus rien à gagner. Quand vous aurez suffisamment gardé d'un trophée K0, vous pourrez retourner. Ok. Retourner voir la voie, d'accord. Ok. Bon, c'était spécial quête annexe hein, aujourd'hui. Tu pars où comme ça, toi? Tu veux que j'abrège tes souffrances, petit? Non, c'est bon. Mais par contre, ces petits triangles, c'est du cash en fait que je peux récupérer. Hein. Les guetteurs, oui, j'ai su à quoi ça servait, merci. Donc là, ouais, il y a du cash à récupérer. Oh, c'est trop bien ça! C'est quoi? Ok, alors lire la note. Lire la note. En représentation un soir uniquement, la reine de la jungle, Miss Dorothy. Cette beauté sauvage n'a rien de commun avec ceux que vous avez pu voir auparavant. Savourez sa peau d'ébène, admirez sa poitrine généreuse, présente un soir uniquement chez Doucet. D'accord. Il y en a un qui est en train de mourir là ou... Article électronique, ok, bon, je sais pas à quoi ça va servir. C'est pour le farm à mon avis, et là on va juste ranger notre arme. Par contre il y en a un qui est en train de souffrir mais qui est pas mort, c'est lequel? Parce que c'est bien sympa, mais je veux pas que tu souffres comme ça mon petit. Bon, tant pis. Il a succombé. Ok, on se barre, on va parler à la voix. Et puis on aura fini cette vidéo. Donc désolé, je suis un petit peu désolé quand même de la vidéo. Je m'attendais pas à devoir me taper des quêtes FedEx comme ça. Mais au moins comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Et moi aussi par la même occasion, donc c'est pas si désagréable. Allez, on va rendre notre quête. Je conduis de moins en moins bien, hein, il me semble. En tout cas, j'ai fortement l'impression que je roule de moins en moins bien. Et ici, on va rendre notre quête facile. Pas trop de difficultés. Par contre, c'est chiant, il aurait dû mettre la porte à l'avant plutôt qu'à l'arrière. Ouais, salut mon gars. Alors, si vous continuez tous les objectifs de trash... Pardon. Si vous continuez, tous les objectifs de trafic inachevé seront supprimés. Ah. Ok, donc maintenant, en fait, j'ai un deuxième point où je devais aller. Ah, c'est là. Ça m'embête un peu, mais bon.
Ouais, ok, on va faire ça vite fait. C'est vraiment pour vous hein, que je fais ça, parce que c'est vraiment pas mon kiff, les petites quêtes FedEx comme ça. Là, du coup, le jeu perd un petit point de... En fait, j'ai piqué exactement la même bagnole. Le jeu perd un petit peu en intérêt quand il y a ce genre de quête. Ok, après, voilà, c'est un peu la marque de fabrique, de mafia, d'accord. Des jeux en monde ouvert actuel également, mais bon, moi, ce que je voulais, c'était plus du scénar aujourd'hui, surtout pour faire des vidéos sur YouTube. Mais bon, si on nous demande de faire obligatoirement des petites quêtes comme ça, j'ai eu un peu peur. Des petites quêtes comme ça, bah on va les faire. Écoute, c'est pas bien grave. Puis celle-là, on va faire du grabuge comme ça. On aura notre quota de violence gratuite de mafia. Puis on sera content. Mais ouais, allez. Donc tous nos ennemis sont ici. Territoire ennemi, oui, mais t'inquiète, on m'a pas vu. Même si le gars est juste là parce qu'il est un peu bête. Viens ici. Ok, on va juste se prendre un gun hein, quand même, ce sera peut-être plus simple. Puis le méchant, il est là. Le vil gredin est là. Est-ce que je peux monter pour aller le tabasser? Non, bon, bah. À l'ancienne, on défonce tout. Donc c'est pas là. En fait, ils me voient, mais ils réagissent pas, c'est assez drôle d'ailleurs. Ils sont vraiment débiles en fait. Je leur passe bien devant, mais aucune réaction. Ok, lesquels sont méchants? Lui là-bas. C'est toujours pas faire pareil? Non mais sérieusement les gars, vous êtes aveugles? Pardon, c'est moi, pardon, pardon. Mais arrêtez de pisser partout les gars, ça se fait pas. Ah, il y a de la thune ici. Bonjour, je prends juste le cash, hein. On se fait plaise. Voilà. Là du coup, bah, il y en a un qui est apparu, hein. J'ai cru apercevoir. Il y a ici. Ouais, je suis juste là en fait. Là. Ok. Il y en a un en bas. Ok, bon, bah, j'ai quasiment descendu tout le monde, là, il reste plus que la cible. Finalement, pas beaucoup de difficultés de nouveau, hein. Mais c'est vraiment dommage ces missions-là. Oh, très jolie position de mort, monsieur. Je vous félicite. Attendez, je vous shoote. Ah non, je vous passe à travers. Ah, les bugs de jeux vidéo, c'est quand même magnifique. Ok, donc il est ici. Est-ce que si je le siffle, il se pointe? Bah oui, parce qu'il est con. C'est génial. Ok, viens. Y'a petit, sors de la maison. Et voilà. C'était presque trop facile. Ah pardon, je m'excuse, hein, je vais juste... piquer de Lucas un peu. Arrêtez de pleurer, c'est rien. Mais pourquoi elles pleurent toutes? Non mais les filles, s'il vous plaît, il était tout seul. Oh, lui, il a une arme qui me plaît. Un petit snipe comme ça, des familles, ça passe bien. Comment on zoome avec ce truc du coup? Non. Ouais, classe. Bon, c'est cool, mais finalement, il y a... Je suis pas sûr que ce soit lui en fait, mon ennemi. Ah bah lui, il a une arme. Ah, ils ont les deux des armes. Bah, mais en fait, je suis pas sûr que ce soit des méchants en fait. Juste des teubés. Ok, bon. Au moins ici, hop, on a fini. On va juste cacher notre flingue, ramener la quête et on en aura terminé avec ça. Et c'est très bien. Finalement, c'était
une vidéo qui a duré un peu plus long que les autres pour pas grand chose, je suis vraiment désolé, mais voilà, il fallait la faire quand même. Et puis ben, finalement c'était assez sympa, même si l'intelligence artificielle de ce Mafia 3 est un peu triste tout net, hein. J'ai été relativement déçu de ces missions, et puis ben, c'était justement une de mes peurs, moi, de ces gens au monde ouvert. C'est vraiment ces passages où vous avez de ces quêtes FedEx à faire qui sont complètement idiotes et finalement qui vous plombent un peu. C'est juste parce que vous avez envie de finir le jeu à 100%. Et puis un jeu comme Mafia, moi c'est plus le côté scénario qui est intéressant. Après je dis pas, dans Assassin's Creed vous avez toute une dimension quête FedEx comme ça où vous devez bah, récupérer les collectables etc, qui sont très chiants d'ailleurs, mais au moins vous débloquez des trucs bah, voilà, qui font avancer un petit peu le scénario, mais d'une autre facette, vraiment avec des petites quêtes annexes comme ça, où vous avez les à côté en fait de l'histoire principale, et puis ça vous apprend 2-3 trucs que vous auriez pas appris dans l'histoire principale. Là franchement c'est juste pour récupérer du cash, et puis pour finir le jeu à 100% finalement, donc c'est pas mon kiff. J'espère qu'il n'y en aura pas trop à faire obligatoire comme celle-ci. Ah là, j'ai fait tes 2 petites quêtes faites. Ah oui, se moque de moi. Plaisir de te voir. Non mais attendez, il y en a encore une autre. C'est quoi ça? Boutique Voodoo, ok. Fantôme du Bayou. Il y avait autre chose à faire? Ah bon, écoutez, je vais y rendre, et puis voilà. Hein. Perle se terre au père là. Pareil qu'il crève de rage. J'aimerais bien voir sa tronche à ce connard. Qu'on se mette bien d'accord, ok? Une fois que je suis dedans, je descends tous les connards qui se mettent sur ma route. Personne va pleurer pour ces salauds. Fais comme tu le sens. À la prochaine, Lavo. Mais oui. À la prochaine Lavo, et du coup on devra tuer Merle, mais ça on le fera dans une prochaine vidéo. Ce sera la bah voilà la manière de terminer ben tout ça. On tue Merle Jackson et on a terminé. Merle Jackson, ah non, c'est Merle Dixon, hein, dans Walking Dead. Et je me suis dit là, si vous utilisez exactement les mêmes noms ah oui, et ça aussi il faudra que je fasse aller amener l'argent que j'ai récolté dans ces missions, mais ça je ferai en off, et puis éventuellement tuer Merle Jackson, je le ferai en off aussi, puis on reprendra tranquillement sur la mission principale, enfin sur le scénario principal de ce Mafia 3. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite de ce let's play. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye tout le monde.